Salut tout le monde, c'est PokéKiller, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon staff, de ma nouvelle équipe. Oui, ça y est, l'entreprise, hein, avec des guillemets, PokéKiller a upgrade. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et je pense que certains d'entre vous qui ont l'habitude de me suivre depuis pas mal de temps, vous avez vu les choses, je pense, changer au niveau des miniatures, au niveau des montages vidéo. Il y a pas mal de choses d'incroyables qui se passent aujourd'hui sur ma chaîne YouTube ainsi que les autres réseaux sociaux que je possède. Je suis tellement content et tout ça les amis c'est grâce à vous, donc un grand merci de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et de partager un maximum autour de vous, ça me ferait plaisir, je vous le cache pas. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne YouTube et l'avenir de mes réseaux sociaux, les projets qu'on va concrétiser pour de vrai, hein, les choses sur lesquelles je vous parlais depuis un moment et ça y est, ça arrive, c'est concret. Tout d'abord je vais vous parler un petit peu de mon équipe, de mon staff, les gens qui sont autour de moi, avec qui on discute beaucoup pour essayer de vous trouver des nouveaux concepts, pour essayer d'aller tourner des vidéos à droite, à gauche. Et aujourd'hui, mon équipe s'agrandit puisque vous le savez, depuis le départ, il y a Arène du Phoenix, Olivier qui me suit, qui est mon fournisseur officiel Pokémon d'items français. Il y a Mathieu, que vous savez tous, c'est le modérateur de mon Discord. Il y a aussi Didi qui vient d'arriver. Merci à vous les gars d'être présent sur mon Discord. Il y a Nas qui est l'administrateur de mon Discord et la personne avec qui on discute beaucoup pour essayer de vous trouver des projets, hein. Grâce à lui, Radio Pokélibre fonctionne et je sais que c'est un format qui vous plaît. Donc Radio Pokélibre, on l'a mis en route avec Nas. Donc il y a Olivier qui est mon fournisseur d'items français, Nas qui est l'administrateur de mon Discord et la personne avec qui on trouve des nouvelles idées, Mathieu et Didi qui sont les deux modos de mon Discord et aussi de mes lives futurs sur YouTube. Il y a Romu qui vient d'arriver, qui est une personne avec qui on échange beaucoup sur les montages vidéo. C'est une personne qui a une grande expérience sur les miniatures, les montages vidéo, bannières, les logos. Et avec cette personne-là, en fait, on va travailler ensemble main dans la main. Ça fait déjà une semaine, 10 jours qu'on travaille ensemble. Et le but, c'est vraiment de faire évoluer un maximum mes réseaux sociaux ainsi que ma chaîne YouTube. Et en gros, ce qui va se passer avec Romu, ce monteur, cette nouvelle personne qui intègre mon équipe, c'est que je vais faire les montages vidéo, je lui envoie la vidéo une fois que je l'ai monté et lui rajoute sa petite touche de folie, des effets sonores, des effets spéciaux. Il va me faire aussi toutes mes miniatures puisqu'il a un don pour faire les miniatures. C'est vraiment, il a ce petit quelque chose. Je pense que vous l'avez vu, les miniatures ont pris quand même un sacré level et on va travailler en collaboration. Donc Romu et la nouvelle personne qui intègre mon équipe, ainsi que Didi, le nouveau modérateur de mon Discord. Donc les amis, je tiens vraiment, vraiment à vous remercier. Merci énormément. Et dans quelques semaines, il va y avoir du coup Collectora qui va arriver pour vous avec un partenariat. Et Anthony qui va habiter et qui est parti là en Thaïlande pendant 3 mois pour se trouver un appart, pour vraiment poser les pieds là-bas et rester là-bas. Et lui, Anthony, sera mon fournisseur officiel d'items japonais, chinois et thaïlandais. Donc on sera au total 7 personnes à être dans mon équipe, c'est juste incroyable. 7 personnes plus moi, ça fera 8 en comptant Collectora, Anthony, Olivier, Mathieu, Didi, Nas, Romu et moi. Ça fera 8 personnes dans le projet de ma vie qui est vraiment d'exploser YouTube et d'être le prochain gros YouTuber. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, je suis très content parce que ça y est, mon projet évolue. Mon projet vraiment a pris une dimension différente. Aujourd'hui, on propose des OP payés. On m'envoie des items gratuitement pour faire la pub de certains sites ou de certaines entreprises. Donc tout ça, c'est grâce à vous les amis, vraiment mille merci parce que vous me donnez une force et vous nous donnez une force vraiment d'essayer de cartonner sur cette chaîne YouTube, d'essayer de vous apporter des contenus plus professionnels, plus soutenus, plus encadrés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Il y a pas mal de grosses vidéos aussi qui arrivent, il y a pas mal d'autres projets qui arrivent, je peux pas encore vous en parler, mais en tout cas aujourd'hui une chose est sûre, c'est qu'on est 5 personnes plus moi, ça fait 6 personnes sur le projet de ma vie qui est ma chaîne YouTube. Donc les gars, merci beaucoup de faire partie de ce projet qui me tient à cœur. Je sais qu'on s'appelle tous les uns et les autres pour essayer de se donner des conseils, pour essayer vraiment de faire péter ma chaîne YouTube. Et je tiens vraiment à vous remercier les gars parce que, je le répète, c'est grâce à vous, mes abonnés, grâce à vous, les gens
qui me regardez, qui me donnent de la force, si je peux aujourd'hui réussir à ramener tout ce petit monde autour de moi, parce que si on faisait pas de vues, si ma chaîne YouTube marchait pas un minimum, je ne pourrais pas ramener toutes ces personnes autour de moi, et tout ça c'est grâce à vous. Donc mille merci à vous, les personnes qui me soutenaient à chaque vidéo, et merci aussi à mes collaborateurs qui sont là pour vraiment me donner des idées, pour s'occuper de mes réseaux, pour essayer de de gérer tout ça ensemble. Donc les gars, mille merci, parce que je suis très content. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que enfin j'arrive à toucher du doigt. Alors je sais que la route est encore longue, il y a encore beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire, mais j'arrive enfin à voir le petit bout du tunnel, le lointain bout du tunnel, mais j'arrive enfin à me dire que peut-être c'est possible, peut-être, oui, enfin, peut-être c'est possible, parce qu'aujourd'hui on propose des partenariats, on m'offre des choses pour faire des pubs, comme je vous l'ai dit, plein de gens commence à parler de PokéKiller, de la chaîne PokéKiller. Il y a pas mal de gros youtubeurs qui ont parlé de moi sur leur chaîne YouTube. On parle de moi sur les groupes, on parle de moi dans certaines vidéos, on parle de moi dans certaines conventions. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment content que ça y est, enfin, j'arrive à me faire un petit nom dans ce monde qui est un rouleau compresseur. Parce que si vraiment vos contenus sont pourris et que vous n'avez pas un minimum d'interaction sur chaque vidéo, les gens se lassent de vous et se lassent de vos vidéos et vous abandonnent tout simplement. Et je vois vraiment que j'ai une équipe de fous furieux qui sont là à vraiment à me trouver des concepts de dingue. J'ai des abonnés de fous qui sont là à me regarder à chaque vidéo, qui likent, qui commentent, qui partagent, qui m'écrivent des petits DM pour me soutenir. Bref, tout ça les amis, je tiens vraiment à tous vous remercier, parce que ça y est, ma chaîne YouTube upgrade, et je suis tellement content, je suis tellement fier de moi, tellement fier de vous, tellement fier de ce projet, et enfin certaines choses se réalisent et se concrétisent. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo, elle était faite pour un petit peu vous remercier et surtout vous dire comment la chaîne allait se dérouler. À partir de là, je pense que vous l'avez vu depuis quelques jours, il y aura 4 vidéos par semaine, une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche. Ça nous fera 4 vidéos par semaine, ainsi que des petits shorts à droite à gauche. Il y aura moins de shorts à l'arrache, à la va-vite. On va vraiment essayer d'encadrer tout ça, de faire de belles vidéos avec, plus de travail au niveau du montage vidéo, plus de travail sur comment préparer la vidéo. On est en train de parler de tout ça avec mon équipe, on est en train de voir tout ça, de faire pas mal de petits réglages. Et en tout cas, je suis vraiment content parce que le peu qu'on ait déjà fait, j'ai déjà un résultat. Je vois déjà le résultat au niveau de vous, au niveau des vues, au niveau des abonnements, au niveau du partage. Et je suis très content et vraiment, 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 ça me fait quelque chose. Vous imaginez même pas le bien que ça me fait de me dire que ça y est, 2023 commence bien, 2023 commence fort. On va dire que 2022, c'était un petit peu l'année test, un petit peu l'année de pour voir comment ça allait se passer. Et là, je me dis que 2023, ça commence mais trop, trop fort. Il y a au moins 2 ou 3 monteurs qui sont venus me voir pour me dire, écoute, je te propose mes services, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec moi? Il y a des gens qui sont venus me voir pour me proposer des partenariats, j'ai refusé parce que je voyais pas le partenariat aussi bien que je voulais. Voilà, parce que moi, mon but, j'arrête pas de vous le dire, les amis, plus moi, je serai bien et plus je vous mettrai bien. Voilà, si demain, j'arrive à faire de l'argent, eh ben ça sera des gros cadeaux de fou que je vous offrirai. Si demain, j'arrive à avoir de gros partenariats, ça sera des codes promotionnels de fou que j'aurai réussi à vous obtenir. Bref, moi, mon but, c'est vraiment de vous faire gagner un maximum de choses, de vous offrir un maximum de choses. Et quand une personne vient me proposer un partenariat qui n'est pas à la hauteur de mes attentes, pour vous comme pour moi, je préfère dire non. Et mon but, c'est vraiment de vous apporter des codes promotionnels de fou, des cadeaux de fou, des concours de fou. Donc j'ai refusé quelques trucs ces derniers temps, je peux pas vous en parler parce que on a un petit peu le secret professionnel, mais c'est vrai que quand je dis non pour un partenariat, je peux pas vous dire il y a un tel qui est venu me voir, un tel qui, ça se fait pas, c'est pas professionnel. Donc j'ai refusé des partenariats, mais de gros et de belles choses arrivent très prochainement. Les amis, c'était PokéKiller, j'espère que ces petites nouvelles vous ont fait plaisir. Moi en tout cas, je suis ravi, et encore mille merci pour mon équipe et mille merci à vous les abonnés qui me donnez plein de force et plein de courage pour faire de belles choses. Les amis, c'était PokéKiller, restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.